Nous réjouissons du fait que depuis 3 ans, l'IAF de Bignon 1 occupe la première place au CFE et à l'entrée en 6e. Ceci, comme nous l'avons dû, est le fruit vraiment de beaucoup d'efforts consentis par les différents acteurs qui composent l'IF de Bignon 1. Il y a les autorités administratives, il y a également les élus qui nous accompagnent beaucoup, comme M. le maire de Bignon 1. Il y a également que les enseignants, les directeurs, mais aussi les parents d'élèves, vraiment tout le monde met la main à la pâte et c'est cela qui nous a valu ces résultats-là. Il n'y a pas de secret, c'est simplement le fruit vraiment d'une synergie d'action autour de l'école et nous nous réjouissons de ces résultats-là. La région souffre de l'absence justement de lauréats au concours général. Toutes les autorités doivent jouer leur partition. Quelle sera la partition spéciale de l'IF de Bignon 1 ? C'est travailler à détecter très tôt les élèves qui ont un certain profil. Ce travail-là, nous l'avons commencé. Nous avons ici des enseignants qui ont accepté de prendre de leur temps pour encadrer les élèves que nous présentons au concours, comme le concours d'entrée à l'école d'éducation Maria Mawa, mais également le concours d'entrée au Dara Rahma. Il s'agit donc très tôt de travailler à détecter les enfants qui ont un certain profil et de faire de sorte que ces enfants-là aient un encadrement rapproché vraiment pour leur permettre d'avoir des chances de réussir à ces concours-là. Nous y sommes et nous pensons que vraiment nous sommes sur la bonne voie pour relever ce défi-là. Parce que comme vous l'avez remarqué, nous faisons de bons résultats au CFE, de bons résultats au BFM, mais pour ce qui est d'envoyer des élèves au niveau de ces écoles d'excellence-là, nous peinons un peu, même si il faut également le relever. L'année dernière, hein, une fille de l'IF de Bignon 1 a réussi au concours d'entrée à l'école d'éducation Maria Mawa. Cela veut dire donc que c'est un processus et nous sommes dans ce processus-là. Il faut simplement continuer à travailler.